Chargez ça. Regardez bien, faites comme ça. Et vous regardez votre chef et dès qu'il fait signe, tu regardes le château, c'est comme si le château en fait c'était la proie qui était devant toi. Donc quand tu te lèves. Tu donnes l'assaut quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après vous courez, vous suivez le chef, comme si vous attaquiez là-bas. L'intérêt de ce projet, c'est qu'en fait les enfants peuvent vraiment se familiariser avec tous les éléments du cinéma. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la technique, le son, le cadre. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais joué dans ni théâtre, ni quoi que ce soit. Donc ils se sont inspirés des films qu'ils avaient vus, de plein de choses. Et ils font les comédiens, il y a des figurants, il y a tout. Alors il y a des scènes d'action, il y a des scènes un peu intimistes. Il y a des scènes en intérieur avec de l'éclairage, avec où il faut du silence. Et puis après, il y a des scènes dans la forêt, il faut courir dans tous les sens. Intérieur, chambre. Mais en fait, je pense que le plus... Ce que j'ai pas aimé le plus, c'est quand j'étais en pyjama et qu'il y avait une caméra au-dessus. C'était très spécial. L'idée, c'est que tout le monde puisse participer à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis co-réalisateur avec Pierre Anverso. Je m'occupe surtout de la partie technique, donc prise de vue, prise de son, éclairage. Ça tourne. On sent qu'ils ont vraiment l'appétit de ça. Il y a cette espèce de fraîcheur-là qui est vraiment agréable sur les ateliers. Des fois, des scènes qu'on lit, on se dit « Mon Dieu, ça va pas fonctionner ». Puis ça devient magique quand c'est les gamins qui le font parce que eux, ils ont décidé de dire « Si, ça, on veut le faire ». Puis quand ils le font, c'est juste génial. Bon, voilà une belle équipe. Surtout pour notre âge. Mais par contre, moi, je voudrais que tous les jours, ça se... En fait, les gens se finissent jamais. Oh, ça serait trop bien. Toutes les semaines, ce soit ça.